Littérature par accident, par devoir, parce qu'il fallait raconter l'histoire de mes parents et de mes compatriotes en Nouvelle-Calédonie à l'époque coloniale. Mais je n'étais pas sûr de pouvoir écrire et j'ai dû prendre des cours par correspondance avec Paris. Et à partir de là, j'ai eu le plaisir de découvrir beaucoup de textes d'auteurs, de grands auteurs comme Bossuet ou comme Stendhal. Ou comme Flaubert, que j'adore, parce que j'aime beaucoup. Et c'est un texte que je relis très souvent avec plaisir. Et j'ai voulu copier aussi pour travailler mes textes dans le gueulois. J'ai jamais réussi, ça dépasse pas 30 secondes. Alors que lui, il a passé sa vie à gueuler pour ses textes. Ce sont des grands textes comme ça. Ou dernièrement, à Ouessant, j'ai eu le plaisir d'entendre un texte de Saint-Éloi. L'éditeur haïtien qui a, avec son petit séjour d'une semaine à Ouessant en résidence, il a écrit un texte extraordinaire. Et ce sont des choses qui me touchent et qui finalement me disent que ça vaut quand même la peine de faire des efforts. Mais je crois que la différence entre lui et moi, c'est que lui, il est capable d'écrire des poésies, des déclamations, alors qu'en ce qui me concerne, je travaille plutôt sur des longs textes. Figure-toi que nous sommes venus ici dans cet immeuble en 1991. Il n'y avait encore personne, nous étions les premiers. Nous avons choisi cet étage parce que pour nous, nous avions l'impression, nous avons toujours l'impression d'être à bord de la passerelle d'un paquebot qui regarde la mer. Et vraiment, c'est formidable. Mais nous étions un peu angoissés dans la mesure où tout était nu. C'était du béton, pas de fleurs, pas d'arbres, pas d'oiseaux. Et je me disais que jamais il n'y aura d'oiseaux par ici. Et aujourd'hui, comme tu peux l'entendre, les oiseaux sont partout et ils chantent. Ils viennent tenir compagnie avec nous le matin. Je leur sers le petit déjeuner et c'est formidable. Le quartier tel qu'il est, c'est un quartier... qu'on pourrait cataloguer de quartier de gens aisés. Cela me gêne un petit peu, mais le fait de se sentir bien dans un endroit comble ce gêne. Et tout autour de nous ici, ce sont des gens qui ont réussi par leur travail. Ce ne sont pas des grands héritiers, de grands riches, mais ce sont des gens méritants. Et nous avons... ici, la piscine du CNC qui fournit de grands champions à la France de nageurs. Nous avons derrière nous la Poste, le Trésor qui distribue l'argent aux fonctionnaires et tous ceux qui viennent de France pour travailler pour la Nouvelle-Calédonie. Nous avons un grand shopping center, tout est concentré et puis nous avons tout à fait en bas, au bord de mer, les bateaux de plaisance qui sont là, multiples et ils sont vraiment beaux et quelquefois le dimanche je les vois partir ou rentrer le dimanche soir sans avoir besoin d'y aller parce que compte tenu de mon âge j'y vais de moins en moins alors que dans le temps moi aussi j'avais un bateau. Sinon j'habitais avant cela dans le quartier de la Vallée des Colons. C'est un quartier disons ancien avec une multitude de communautés Et c'est un quartier aussi qui ressent cette Calédonie du passé. D'ailleurs, c'était le quartier des colons. Il n'y avait pas à ce moment-là, il n'y avait pas de maison, pas de rue, pas de route, mais c'était simplement des jardins potagers en dehors de la ville de Nouméa, alors que c'est au milieu, presque en plein centre, quoi. Et c'est un quartier extrêmement agréable aussi, et c'est là où on peut trouver des maisons coloniales en grand nombre. Quoique de plus en plus maintenant, ces maisons sont détruites au profit des grands ensembles d'habitations, style cube en préfabriqué, en maçonnerie.
ce qui est bien dommage. Et ça donne un aspect plutôt désolant et qui fait perdre le charme à la ville de Nouméa avec son cadre, disons, faut pas cacher le mot, son cadre colonial, son cadre du passé qui disparaît peu à peu au profit du béton. Ce qu'il y a aussi de surprenant et de dérangeant pour le touriste qui arrive, c'est que lorsqu'il arrive à l'entrée de Nouméa, il découvre sur la droite immédiatement des fumées, des fours de nickel qui jettent dans l'atmosphère des volutes de fumée et de poussière rouge. Et en plein milieu du Pacifique, dans le ciel bleu du Pacifique, c'est quelque chose d'étrange. Mais il paraît qu'il faut passer par là pour le développement économique et pour l'exploitation de notre richesse minière qu'est le nickel. Donc on accepte, mais je pense que d'après ce qu'on me dit, nous sommes les plus grands pollueurs du monde après la Chine. Alors figure-toi que mon enfance est une enfance que je pourrais considérer comme normale, parce que au jour d'aujourd'hui, on pourrait dire que c'était une enfance vraiment déshéritée, malheureuse, parce que nous vivions de pas grand-chose à l'époque. Mon père travaillait seul et ma mère s'occupait de ses 9 enfants. Je suis l'aîné des enfants et nous vivions à l'époque sur la mine Chagrin à 400 km d'ici, et mes parents étaient venus du Vietnam avant 1939 pour travailler sur cette mine de chrome, pas de nickel. Et les conditions de vie, de travail de mes parents étaient extrêmement difficiles, ils étaient constamment pris, et le peu de temps qui leur restait et le peu d'argent qu'ils avaient, ils s'occupaient de nous comme ils le pouvaient. Mon père ne bénéficiait ni de l'assurance sociale, ni des soins maladie, tout était à sa charge. Pour 9 enfants, avec ma mère a dû arrêter de travailler à la fin de son contrat. Et c'était une vie, pour nous d'aujourd'hui, c'était une vie de misère. Moi, j'ai conservé un très bon souvenir de ce temps, c'était un temps excellent pour moi, et je vivais les nus, pieds nus, avec des sabots fabriqués par mon père sur des morceaux de planche avec un bout de cuir par-dessus pour tenir sur les pieds. Et c'était vers 10 ans, je crois, que j'ai eu ma première paire de chaussures. Et dès que je l'avais essayé, je suis tombé par terre parce que j'avais mis les chaussures à l'envers. Pour vous dire comment était mon enfance à cette époque. Et nous n'avions pas le droit, en ce temps-là, comme les petits canards d'ailleurs, de fréquenter l'école française, l'école officielle. Les Kanaks avaient leur propre moniteur, qu'on appelle, pas instituteur, moniteur dans leur tribu. Tandis que nous, étant donné que mes parents étaient venus sous contrat de 5 ans et qu'ils étaient bloqués en Nouvelle-Calédonie à cause de la guerre, nous étions abandonnés à nous-mêmes. Nos parents du village ont décidé de payer un maître, quelqu'un qui savait lire et écrire, pour nous apprendre à lire et à écrire en vietnamien. Et je peux vous assurer que c'était l'école la plus bruyante de la terre, parce que à cette époque, le maître, je ne sais pas comment il a fait pour tenir, mais avec une vingtaine de gosses dedans, nous avions le droit de lire à très haute voix et même à très très haute voix, et de réciter nos leçons de la même façon. Et pour moi, c'est l'une des écoles les plus bruyantes de la terre, et j'ai toujours gardé un souvenir attachant de cet aspect. Mais tout était, disons que, fait d'une façon plutôt primaire, très, très, très simple. Et à l'âge de 11 ans, mon père, finalement, par son travail, avait réussi à me faire entrer à l'école française, parce qu'il fallait le piston de la direction, et j'ai réussi à rentrer, et c'est à partir de 11 ans que je commençais à apprendre à parler la langue française. Mais les premières semaines, je vous assure que c'était catastrophique, parce que je ne comprenais rien, et je suis entré à l'école en fin d'année, c'est-à-dire au mois de décembre,
au moment de Noël. Et en Nouvelle-Calédonie, le mois de décembre, c'est le début, c'est presque le début des vacances d'été. Et on m'a attribué le rôle de gendarme pour arrêter un voleur. Je me trouvais avec un autre camarade qui était gendarme lui aussi. Et quand on m'a dit de saisir l'un des gars pour le mettre en prison, je ne comprenais rien et j'ai saisi mon collègue le gendarme pour le mettre en prison. C'était le fou rire dans la classe et après on m'a dit « va t'asseoir là-bas, on te remercie beaucoup ». Tout ça, ce sont des souvenirs qui restent et je me suis, à cette époque, à l'époque où j'avais 4 ou 5 ans, je suis né en 1940 et c'était vers 1945, c'était la fin de la guerre du Pacifique. De la guerre du Pacifique, je n'ai rien entendu parler à l'époque. Ce que je savais, c'est qu'au-dessus des montagnes venant du nord, je suppose que ça venait des Salomon ou des Nouvelles Hébrides de l'époque. C'était des escadrilles d'avions qui revenaient de la guerre et qui passaient au-dessus de notre village minier. Et à ce moment-là, je voyais ces petits oiseaux noirs dans le ciel, je ne comprenais rien et je cherchais vite une perche pour essayer de les attraper. Je suis finalement, compte tenu de ce passé assez difficile, et mes parents, venant juste avant la guerre, la Seconde Guerre mondiale, avaient un contrat de 5 ans. Mais comme la France était réduite à néant après la guerre contre l'armée allemande, elle n'était pas en mesure de nous ramener au Vietnam comme prévu. Nous sommes restés ici jusqu'en 1960, c'est-à-dire sur une période de 20 ans. Et à l'âge de 20 ans, justement, nous avions tout déménagé, mis en caisse pour partir au Vietnam. Mais moi, à cette époque, j'ai déjà... je comprenais bien le français et je savais exactement ce qui se passait au Vietnam avec le système communiste. Et je n'étais pas tout à fait d'accord avec ce que la propagande communiste par la radio, qui recevait par TSF de gros postes de radio qui fonctionnaient à la batterie de voiture. Et la propagande communiste disait nous sommes ici maintenant. Le Vietnam libre du peuple. Et c'est le peuple qui décide, et ce ne sont plus les riches ni les Français qui sont là. Nous avons la liberté de faire et que tout le peuple devient maître du pays. Évidemment, pour les engagés tonkinois qui étaient mes parents, et la plupart des tonkinois qui travaillaient ici, parce qu'ils s'appelaient à l'époque les tonkinois. Quand ils entendaient parler que c'est le peuple qui dirige le pays, et comme ils étaient venus ici pendant 20 ans, ils avaient gagné beaucoup d'argent, beaucoup façon de parler, ils voulaient rentrer avec cet argent pour participer à la construction du pays en tant que citoyen et en tant que peuple. Et mais au moment où le bateau partait, je me suis enfui du bateau. Je suis le premier Vietnamien à m'enfuir du bateau. Non, pas parce que je savais que là-bas c'est anti-catholique, non pas seulement parce que c'est communiste, mais parce que j'ai eu la chance de connaître mon épouse. Elle n'est pas d'origine vietnamienne et elle ne savait pas que j'allais rester pour elle. Et je suis resté grâce à elle et que finalement, c'est ainsi que je me retrouve en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui. Mais le fait de voir partir tous ses compatriotes, ses amis et mes amis d'école qui partaient pour aider à la reconstruction du pays et qui me traitaient de traître, de lèche-botte des Français, de tous les vilains noms. J'ai dû subir tout ça pour pouvoir rester. Et au bout de quelques temps, je me suis rendu compte qu'ils s'en allaient et leur histoire disparaîtrait aussi si jamais quelqu'un ne l'écrivait pas. Il faudrait bien que un auteur de quelque origine que ce soit, de quelque communauté que ce soit, écrivent cette histoire parce que c'est une histoire douloureuse pour ma communauté. Or, nous étions en 1960, jusqu'en 1974, 14 ans après, il n'y avait toujours rien d'écrit.
Entre-temps, j'ai réussi à m'installer avec un ami calédonien dans une entreprise ici de distribution de matériel électroménager. Et nous nous retrouvions à ce moment-là à Paris et je passais devant une école, l'école française de rédaction qui n'existe plus aujourd'hui et qui dispensait des cours par correspondance d'écriture littéraire. Je me suis dit, il vaut mieux essayer et faire quelque chose. Donc j'ai appris pendant 2 ans, c'est là où j'ai appris qu'est-ce que c'est que les textes de Bossuet, les textes de Flaubert et tout, et j'ai apprécié par la suite. Et je me suis mis à écrire. En 2 ans, jusqu'en 1976, j'ai terminé le livre. Après avoir souffert, parce qu'il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque, j'ai écrit avec les points de bic, c'est très dur. Et je sais exactement ce que c'est que la crampe de l'écrivain. Et c'est ainsi que la Société d'études historiques de Nouvelle-Calédonie a décidé de publier ce livre, malgré les réticences de ses membres, qui ne voulait pas remuer le passé. Et finalement, c'est ainsi que ce livre, intitulé Tien Dang, Tien, ça veut dire le pied, et Dang, c'est un engagement, parce qu'ils étaient venus comme des engagés sous contrat. Alors, c'est un surnom que les Tonkinois de l'époque, devenus par la suite des Vietnamiens, se sont donnés. Et les intellectuels du Vietnam ont cherché dans tous les dictionnaires du monde et n'ont jamais trouvé ce mot, parce que ce mot correspond un peu au pied noir en Algérie. Et c'est leur nom à eux que j'ai donné à ce livre, il s'appelle Tien Dang. Tien Dang existe depuis près de 27 ans, 28 ans, est très populaire en Nouvelle-Calédonie. Il est toujours en vente et il a fait l'objet d'une étude par une universitaire de Canberra, Mademoiselle Do Tess, et elle a écrit en anglais l'histoire des Vietnamiens en résumé. Et ça a fait l'objet d'une publication par la maison Ropodi de New York. Et c'est publié l'année dernière en résumé dans le cadre d'un livre intitulé Les communautés en exil. En anglais, je suis incapable de vous dire. Et malheureusement, en France, j'ai mis 25 ans pour comprendre que la France a honte de son passé et ne veut pas passer ce livre. Par contre, le Vietnam d'aujourd'hui me le demande. Or, il faut savoir que ce livre, donc je suis devenu auteur par accident ou par devoir. Je me suis dit qu'après ça, ce sera terminé, ce n'est pas ma vocation, et au jour d'aujourd'hui, j'y suis encore dedans. Quelquefois, ma femme me le reproche parce que je perds trop de temps avec l'écriture. Et à la sortie du livre, j'ai obtenu le prix de l'Asie par l'Association des écrivains de langue française, l'ADELF. Et à Paris, à ce moment-là, il existait un éditeur sud-est Asie qui m'avait envoyé c'était mon premier contrat, dû m'en signer, il ne restait plus que ma signature. Or, par précaution, j'ai voulu savoir qui était le patron de cette maison d'édition sud-est Asie. Et j'ai appris qu'il était le représentant du gouvernement vietnamien communiste de 1980. Vous comprenez bien qu'à cette époque, la guerre entre les Russes, les Américains, la Libye et tout le reste du monde, il ne m'était pas possible d'accepter d'être catalogué comme de connivence avec les communistes. J'ai raté la meilleure occasion de ma vie. Il y a à peu près 2 ans, une autre équipe de télévision vietnamienne de Ho Chi Minh City était venue, a découvert le livre et m'a demandé de le transformer en 30 épisodes de 45 minutes pour la télévision vietnamienne. J'ai mis une seule condition, que ce soit une coproduction franco-vietnamienne pour ma sécurité et pour notre sécurité. Parce que je pars sur le principe que ce sont des jeunes gens qui ont été élevés dans le cadre communiste du Vietnam et qui auraient là une occasion trop forte pour dénoncer le colonialisme, le système capitaliste, et je n'aurais pas de prise dessus. Et ils ont refusé, ils ont dit non, ce sera vietnamien uniquement, et à mon tour j'ai dû refuser. Le livre aujourd'hui fait l'objet d'une traduction au Vietnam, parce que finalement au fil du temps avec le titre sur internet avec Ropodi en Amérique, et
ça intéresse maintenant la diaspora vietnamienne du monde entier. Mais mon épouse est persuadée que ce livre traduit en anglais et sera un grand succès dans le monde. Chose que je n'ai jamais osé passer à ce stade. Peut-être que reste-t-il quelque chose à faire. Je sais qu'en ce qui concerne des cinéastes de Nouvelle-Calédonie, plusieurs avaient rêvé de réaliser ce film. Ce serait un très beau film, mais ça reste toujours en l'état de projet. Ce qui fait que en littérature, j'ai poursuivi et jusqu'à aujourd'hui, j'ai écrit 7-8 livres. Ce sont des romans basés sur les faits historiques. Celui qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est Nouméa Guadalcanal, qui est épuisé aujourd'hui. Ça concerne la guerre du Pacifique entre Américains, l'armée américaine, la marine américaine et les troupes japonaises à Guadalcanal. Un très beau livre. À la suite de quoi, j'ai écrit une trilogie, Pilou Pilou. Ça concerne l'arrivée des premiers bagnards en Nouvelle-Calédonie à la rencontre des Kanaks qui étaient à l'époque des cannibales. Or, ces cannibales croyaient, selon une légende de chez eux, que leurs ancêtres, qui étaient restés longtemps plongés au fond de la mer, revenaient avec leurs grandes pirogues, étaient devenus blancs, lavés. Or, ces soi-disant ancêtres les repoussaient vers les montagnes pour leur voler les terres, avec des bâtons qui tuent. À partir de là, ça a été la guerre entre le grand chef Atai des Kanaks pour essayer de reprendre son pays. Mais la force coloniale a permis de se maintenir sur place. Et j'ai écrit ça en 3 tomes. Le premier, c'est Pilou Pilou, chapeau de paille. Ça concerne donc les bagnards qui se trouvent juste en face de moi sur l'île Nou. Le deuxième tome, c'est l'île de l'oubli. C'était les Kanaks prisonniers après avoir été kidnappés qui se retrouvaient soit emprisonnés à l'île de l'oubli, l'île qu'ils appellent comme ça, l'île Nouville, ou à l'île des Pins avec les déportés kabyles. Et plus haut encore, au nord de la Nouvelle-Calédonie, aux îles Bélep. Et c'était le deuxième tome, c'est aussi le temps du développement économique et de la naissance des Métis. Le troisième tome s'appelle « La ville aux mille collines » parce que Nouméa est très vallonnée, il y a beaucoup de collines. Et Rome ayant 7 collines, ici c'est 1000 collines. Et ça explique le troisième tome explique la vie d'aujourd'hui avec ses confrontations ou ses espoirs des Calédoniens de toutes origines qui sont venus s'installer en Nouvelle-Calédonie. Disons, en gros, j'ai voulu, en ce qui me concerne, respecter un engagement moral que j'avais entre moi et la Nouvelle-Calédonie. Cela n'est écrit nulle part, cela n'est signé nulle part, mais je pars sur le principe que la Calédonie m'a si bien accueilli et qu'il est de mon devoir de lui rendre hommage en écrivant une belle histoire sur les peuples qui l'habitent aujourd'hui. Et je pense que je suis plus à l'aise pour l'écrire que n'étant pas ni Kanak ni Caldoche. Ça me permet d'avoir une aisance pour écrire ces livres. Et puis le reste de mes ouvrages, j'en ai 3 ou 4 qui dorment au fond d'un tiroir, qui ne sont pas publiés. J'ai remis un récemment aux éditions de la courte échelle au Canada. C'est un livre sur l'environnement, la guerre contre la gabegie, la guerre contre la pollution. Et c'est un livre qui est là-bas actuellement en étude. Mais je possède d'autres livres comme ça. Et actuellement, pour le silo de Pointe-Guimier, je viens de sortir un livre que j'ai écrit juste après Tien Dan, il y a 28 ans. Et c'est un livre littéraire de style essai que je n'ai jamais osé mélanger avec les autres livres de style roman historique. Je le mets maintenant à la connaissance du grand public. J'espère qu'il le recevra aussi bien que Tien Dan a été depuis 30 ans. Lorsque j'ai découvert le site d'Île en Île, j'ai trouvé que cela répondait à une attente.
Cela me concernait directement. Parce que, étant d'origine vietnamienne, descendant d'une population qui a quand même 4000 ans d'histoire, mais née en Nouvelle-Calédonie, je me considère plus comme un insulaire, comme un Calédonien d'origine vietnamienne que vietnamien tout court. À partir de là, mes réactions, ma façon de voir les choses, mélangées aux principes que m'ont inculqué mes parents sur le principe de la tolérance, du respect des anciens, mais je vis au jour le jour selon ma façon d'insulaire. C'est la raison pour laquelle, non seulement j'ai apprécié d'île en île, mais également énormément le salon du livre insulaire d'Ouessant. C'est un endroit du monde qui rassemble tous les insulaires du monde francophone et autres. Et là, on se trouve en osmose. On a quelque chose d'autre, de différent des autres. Et que finalement, c'est un partage. C'est un partage de, ce sentiment d'être éparpillé à travers le monde, mais tout en étant si solidaires, si proches les uns des autres. Et on se comprend sans avoir parfois besoin de prononcer. Et c'est ça qui est extraordinaire. Le silo de Yengen rassemble effectivement les auteurs principalement du Pacifique francophone. Mais on ne retrouve pas cet ensemble d'îles, d'éditeurs, d'auteurs, de poètes ou de poétesses qui se rassemblent pendant presque une semaine et qui partagent leur espoir, leur écriture, leur talent. Et je trouve que même lorsque je me rends en France ou ailleurs et que je tombe ici, je rencontre des compatriotes calédoniens, je leur dis bonjour, bonsoir, ça ne va pas plus loin. Mais ces mêmes personnes, je les retrouvais à Paris, sur le trottoir ou quelque part ailleurs. Nous sommes du Pacifique d'abord, nous sommes en Nouvelle-Calédonie ensuite, nous sommes des Iliens surtout, et nous nous comprenons mieux que les gens du continent. Et à partir de ça, c'est quelque chose qui nous appartient en propre, je crois, et d'autre façon, il existe une complicité qui se crée, par exemple, lorsqu'on sort de la Nouvelle-Calédonie et qu'on quitte nos rivages du Pacifique au-delà du Grand Récif, c'est de retrouver les gestes ou les expressions plutôt du pays. On ne parle plus le français pur, on parle un peu le français caldoche. Et à ce moment-là, l'osmose se crée encore plus et... il y a une complicité qui vient et qui rend chaud au cœur. À partir de là, l'expérience de la Nouvelle-Calédonie, à cause de la politique, divise parfois les gens, parfois la jeunesse. Tu es Kanak, moi je suis Caldoche, tu es pour l'indépendance, moi je suis contre l'indépendance. Mais une fois à l'extérieur, on ne connaît plus tout ça. On ne sait qu'une chose, c'est qu'on appartient à une île. Et cette île, pour nous, c'est la Grande Terre. Et même je crois que ça va plus loin que ça, parce que lorsqu'on rencontre des Mauriciens, lorsqu'on rencontre des gens de La Réunion, de Tahiti, ou même des Haïtiens, on partage le même sentiment, insulaire. Et je pense que Thomas Pierre a eu l'idée excellente et extraordinaire de créer un site qui nous est destiné et je le remercie sincèrement. L'objectif de l'Association des écrivains de Nouvelle-Calédonie, dont je suis le président depuis 4 ans, est justement de bien marquer notre insularité en même temps que la francophonie qui nous concerne tous. C'est la raison pour laquelle nous prenons des contacts avec des associations d'écrivains, d'auteurs d'outre-mer, ailleurs, et nous partageons nos expériences, nous partageons aussi nos espoirs, dans la mesure où, face
à des maisons d'édition ou à des groupes d'édition d'une telle importance dans le monde. Nous ne sommes que tout petits, mais qu'importe. Nous essayons de défendre malgré tout une certaine littérature basée sur la francophonie, et c'est la raison pour laquelle nous allons parfois jusqu'au Canada, plutôt au Québec. Dernièrement, nous sommes allés par 3 années de suite à Montréal, au Salon de Montréal, en espérant, nous, petits francophones du Pacifique, de retrouver chez le grand francophone du Canada une possibilité de nous comprendre, de partager notre passion et de défendre la francophonie dans le monde. Récemment, à Ouessant, le fait d'avoir exposé ce problème dans le cadre de la littérature insulaire, j'ai pu rencontrer des auteurs venant du Québec et qui ont été sensibilisés à notre appel indirect et qui nous ont promis qu'ils allaient faire quelque chose pour que finalement la francophonie dans le monde puisse mieux se comprendre, puisse mieux se soutenir, parce que finalement, sur le plan de la littérature et sur le plan de l'édition, ils ont à peu près les mêmes problèmes que nous. Et je pense qu'il n'existe pas uniquement des grands écrivains ou des grands auteurs seulement dans les grands pays. Il doit y avoir aussi certainement chez nous, en Polynésie, à Haïti, des très grands auteurs qui mériteraient d'être connus. Je ne parle pas pour moi, mais nous menons un combat pour faire connaître la capacité des gens à travers le monde de réfléchir et de produire aussi des œuvres. Je pense que cela est nécessaire. Nous sommes des précurseurs, nous sommes des combattants insulaires pour la francophonie, pour la littérature et pour que le livre puisse survivre au monde moderne d'aujourd'hui qui de plus en plus oublie que le livre est essentiel. Dans un pays comme la Nouvelle-Calédonie où il fait si beau, où les gens ont tendance à vouloir aller faire la pêche le dimanche, partir à la chasse dans les montagnes ou faire la fête, je pense que d'une façon ou d'une autre, il faudrait aussi que les médias de Nouvelle-Calédonie, comme les médias d'ailleurs, s'intéressent de plus près à la littérature et de promouvoir cette littérature. Évidemment, cela constitue un travail assez important pour un journaliste de devoir lire un livre, mais cela vaut la peine quand même pour la connaissance et pour la littérature en général. Mmh.